Bonsoir, comment allez-vous? J'avais pas réglé la cam, j'avais oublié, je m'installe. Comment allez-vous pour ce septième épisode d'Alien? J'ai regardé quelques vidéos, là on va essayer de se débloquer. Et s'il faut, j'en regarderai une autre. Salut ta Zelda, comment vas-tu? As-tu passé un bon lundi, une bonne reprise de travail? Bon, ça va, ça va, ça va, on bricole. J'ai désherbé, très intéressant, mais il faut le faire. Moi après, j'adore ça, mais voilà. Le désherbage de printemps, là, le printemps arrive bientôt, les fleurs poussent. J'avais coupé les rosiers il y a pas longtemps, du coup, il y a de quoi faire dehors. Quand t'as un extérieur, c'est... Puis là, bientôt le jardin, hein. J'ai mes petites graines de courgettes qui ont commencé à lever. Ah, je croyais que tu travaillais. J'avais cru comprendre ça. Mais pas de souci. Ça me va aussi. Il me semblait. Mais j'ai dû confondre alors. Ou j'ai dû mélanger les conversations, je pense. Mais c'est un boulot à temps plein, hein, de s'occuper de son enfant. Je fais ça aussi là pendant une période jusqu'à max décembre. Et après pas trop le choix de reprendre le taf, mais Ah, t'as planté les tulipes, et moi, bah du coup, on a emménagé ça va faire bientôt un an. Et y en a plein qui sortent de partout, je pense, là. Bah, elles sont grandes, hein, elles font déjà 20 cm, les feuilles. Il n'y a pas encore les fleurs, mais je pense que ça va pas tarder à sortir. Hein. Ouais, en jardinière aussi, j'en ai fait quelques-unes, ça a bien sorti. C'est pas mal. De toute façon, là, avec la sécheresse, faut s'adapter, hein. Je cherche le jeu. Je le trouvais plus, pourtant, c'est le premier de la liste. Hein. Ah, Alien. Excusez-moi. Moi, j'ai mis des pieds de fraise un peu. Puis après, bah, j'ai cornichon. Puis après, tout plein de petites fleurs, mais j'ai pas les noms. Tout était déjà programmé, c'est bon. Hop. J'ai vu qu'il y a un endroit où je suis pas allée parce que je l'ai passé assez vite au final, mais je sais pas. Il faut que je réfléchisse à comment y retourner. On va voir, hein, de toute façon. Donc, sûr, j'ai loupé, on va dire, un tunnel. Donc, peut-être que j'ai loupé quelque chose pour débloquer. Ça dépendra si j'ai avancé un peu sur l'histoire. Ou si je bloque trop, je partirai sur Phasmo tout de suite. Enfin, tout de suite, genre, tu sais, 1 heure à max. Hein, si j'arrive à pas débloquer. Parce que là, j'ai pas vraiment eu le temps de potasser la vidéo. J'ai regardé vite fait, là. C'est pour ça que j'attendais un peu le dernier moment pour lancer. J'ai vu qu'il y a un truc au moins que j'ai. Un truc flagrant que j'ai oublié. Des tunnels en fait sous une zone qu'on n'a pas du tout. En fait, à un moment je suis arrivée, hop, je suis allée direct à droite et il y avait des androïdes, un à gauche et un à droite. Et du coup, j'ai pas du tout été à gauche. Et apparemment, sous un des bureaux, il y a un tunnel donc y a des trappes en dessous donc ça peut peut-être amener à quelque chose. Hein. Après, j'ai arrêté de regarder la vidéo. J'avais regardé. Après, c'est tellement compliqué à suivre sur un stream quand tu coupes juste par petite partie par petite partie. Non, pas pour l'instant, mais enfin, je les laisse pas tomber. Mais c'est que du coup, là, vu que on a axé sur l'horreur, je me suis dit on fera ça sur un truc chill. Mais non, non, j'aimerais bien les finir. C'est prévu bientôt. Là, quand on aura fini Alien, au moins. On va dire ce sera une grosse session de live de clôturer et on partira là-dessus. N'importe quelle touche. Les touches, ah, parce que là avec level 0 je me suis un peu mélangé les... Je vais les re-regarder. Hein. Configuration du clavier. Donc tout ça c'est bon. Courir, ça copie. Fermer le module, le A pour truc. Scruter, ça je l'ai jamais utilisé.
Bon, après revolver et tout ça, je l'utilise pas. La molette, ok, la lampe torche F. Tape pour la carte. Et tape gauche pour le U, avec le U. Je sais pas trop ça quoi ça correspond cette touche. Oui, vas-y sauvegarde si tu veux, nous n'avons pas fait de changement. Le Vigor, je te suis pas là. Temps à tuer. Ah non, si, ah oui, pardon, le jeu. Le Vigor, j'arrivais pas à te remettre. J'ai mal lu la phrase en fait. Mais oui, ouais. Ton jeu que tu m'as parlé hier. Pas de soucis. Alors, encore un échappe. Encore. Jouer au jeu. Ouais, Alien Isolation. Continuer la partie. Alors, je pense qu'il faut qu'on prenne l'ascenseur pour retourner à la première zone. En fait, c'est la zone juste avant. Ça se trouve, ça va rien nous apporter, hein, mais j'ai vu que ça, on l'avait pas du tout fait. Juste avant de trouver la meuf là qui est blessée avec le mec. Taylor. Du coup, là, on est au sous-sol. On va remonter. Après, dans les greniers, j'ai regardé le mec là que je regardais, je sais même pas sur quelle chaîne il avait fait. Enfin, principalement, il s'est fait les mêmes jumpscares au même moment. Je rigolais, j'ai dit ah, bah, lui, je l'ai vu aussi. C'était assez drôle. Hein. Alors, on peut pas. Les tâches des soins primaires. Eh, il est motivé, il veut pas me laisser me réfléchir. Il me laisse pas réfléchir. Comment on retourne à la zone précédente du coup? Là, il y a une échelle. Merde. Oups. Ah, il faudrait que je rétablisse le. Ah putain, pardon. Il m'a fait trop peur. Attends, accroupis-toi. Il m'a pas vu. Attendez, je vous mets de la lumière. Là, tu m'as pas fait peur, c'était obligé de toute façon vu qu'il est arrivé. Bon, andouille. Alors, il m'a fait trop peur ce coin. Ah, vraiment là, enfin, pourtant on savait qu'il était là, je venais de le dire. Il était pas prêt non plus, t'as vu, hein, il a mis du temps à me retrouver. Sauvegarde actuelle. Bon, du coup, je disais. Donc, je voulais redescendre en bas, mais il n'y a pas le courant. J'aurais dû regarder comment remettre le courant. Parce qu'en fait, je sais pas du tout. Bon. De toute façon, on va se faire attaquer dans un sens ou dans l'autre. Ah ouais, mais là, j'ai pas la map, c'est trop chiant. Attends. J'arrive pas à me souvenir comment on retourne à la zone d'avant. Parce qu'on est tombé, je crois. Ah ouais, je crois qu'on peut pas y retourner tout de suite, du coup. Parce qu'on est tombé. On est tombé d'un truc du plafond, je crois. Hein. On est tombé d'une trappe. Genre d'ici, tu vois. Vous voyez. Ouais, je crois qu'on est dans le caca. J'ai vu qu'apparemment, plus tu te caches dans les casiers, plus ils te cherchent dans les casiers, apparemment. Ça va être compliqué.
Attendez, je regarde, parce qu'au pire, il y a le tunnel, bon. Je regarde, bon, forcément, pub au moment où je veux switcher de... Parce que peut-être que ça apporte rien. Il y a toujours les synthétiques. Bonjour, bonjour. Tuc, tuc, tuc. Tour Lorenz. Ok, là, elle a retrouvé la meuf. Donc, on retourne à notre partie. Tac. Encore une pub. Je me dépêche, je me dépêche. Ouais, ça Ok, enlève. d'accord. Merde, attends, je vous enlève le son parce que je sais pas si je peux le diffuser. Ça, l'infirmerie, on a fait. J'essaie de voir ce que j'aurais loupé. Il passe sa vie cachée sous les brancards. Ok. Mais c'est une technique, hein. Ah ouais, c'est horrible quand tu vois les pieds. Désolée, je vous lis pas le chat, hein. Si vous parlez, je reviens tout de suite. J'essaye de voir s'il y a une zone. S'il y a une zone que j'aurais pas faite. Là, il est dans les quartiers généraux. Trouver le bureau de Merlet. Ça, nous, on avait fait. Ok. Ok, donc ça c'est bon. Alors attendez, je switch pour voir si vous papotez. Non, c'est bon, vous patientez gentiment. C'est gentil. Alors. Tuc, 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 tuc. C'est quoi cette pièce? Elle me dit rien. Ah, si les casiers, ouais. Ça me dit rien, ça. Ça, c'est les bunkers. J'arrive, j'arrive. J'essaie de voir où est-ce qu'il est. Attends, il est monté à une échelle. Il est monté à une échelle. Vas-y, montre-nous ta petite échelle. T'as monté dans un tunnel, ok. Tu peux pas mettre la map qu'on sache où tu es? Non? C'est quoi cette échelle? Il est monté dans un tunnel à une échelle. Super grande l'échelle en plus. Ça me dit rien du tout. Par contre, j'arrive pas à voir. Vas-y, tombe, que je vois où est-ce que tu es. Tombe. Dans les quartiers. Dans des quartiers. J'arrive pas à voir. On a fait une chambre froide, nous? Ben non, mais oui, lui, il a la chambre froide de déverrouiller. Yo, il y a un problème, nous, on n'a pas la chambre froide de déverrouiller. Attends, on va voir s'il arrive à déverrouiller la chambre froide. Ben elle est verte, la sienne. Comment il a fait?
Attends, je regarde s'il touche un truc. Comment ça se fait qu'il a le courant? Ouais, bah du coup, c'est ça, c'est que je suis pas dû remettre le courant, il y a une étape que j'ai zappée. Il y a une étape que j'ai zappée, c'est sûr. Rétablir le courant là, non, c'est fermé, mais lui il a la porte ouverte là. Et du coup, le truc à mettre dedans, il est bien dans cette. Ok, alors attendez, je recule un tout petit peu en arrière. Activer le système. Non, bah du coup, ça c'est bon. Attendez, attendez, attendez. Porte fermée. Alors là, il a la porte fermée. Ok. Et que t'as activé le courant commun. Oui, là, il a pris le taser. Dac. Ensuite. Désolé, je vous commence sans l'image. Il m'a pas tué ce con. Ah si, non. Non, je suis pas morte. Alors attends, on va retourner en bas. Retourner en bas. Il m'a tué? Ah non. J'ai eu peur. Donc là, c'est fermé. Là, du coup, c'est ouvert. On va y arriver, hein. Du coup, le truc, il est là, il est par terre à aller ramasser là. Mais là, c'est bien rouge. Surveiller qu'on meure pas. Donc, on a fait exactement pareil. Yes. Mais ouais, mais lui, la pièce elle est direct ouverte, donc il y a bien quelque chose que j'ai loupé. Je voulais revérifier le. Les lives, mais du coup, je sais pas comment. Ou alors, parce que t'as un. Là, ça, on peut pas le faire, non? Vas-y, remonte.
qu'à un moment il touche un retoucheur, mais je sais pas c'était marqué un retoucheur chambre froide. Hein. Où il ouvre une porte, mais ouais, mais du coup ça m'intéresse pas. Tatin, l'autre il meurt. Là, près du bureau, il va mourir du coup. Allez, vas-y, chope-le. Chope-le, chope-le. Il court. Ah, il court direct à l'ascenseur, donc ça doit être avant. Hein. Je pense que j'ai merdouillé. Puissance faible. Ah, après, peut-être si je lui mets du jus. Je vais me faire tuer hein, le temps que. Alors, les retoucheurs, c'est. C'est ça. Hein. Donc, les trucs carrés. Le mieux, c'est d'aller. C'est la pièce à côté. Faire tuer sais pas s'il va arriver. C'était celle d'après. Pas trop saisi, rétablir le courant. Oui, du coup, ça c'est moi qui ai fait ça. Ok. Celle de droite, elle est notée comme pas fermée. Mais oui, elle est fermée, elle est pas notée fermée. Celui-là. Celui-ci, il fait juste en face. Est-ce que ça me sert à grand-chose?
Salut Hello. J'essaye de me débloquer. Merde, j'ai tourné, du coup je sais plus dans quel sens je suis. Celui-là. Comment ça va, Elodie? Va y arriver. Je vais trouver la solution. Bon, là, il me dit toujours qu'il y a ça, là, mais... Logis peut être mis sur la touche, Morlaix. Vous m'entendez? J'ai voulu utiliser le dispensaire aujourd'hui et je me suis retrouvé enfermé. On ne peut pas attendre de moi que je remplisse mes obligations si Lingard et vous me privez de mes privilèges d'accès. Certains de mes patients vont rechuter sans médicaments, surtout quand la station est dans une situation aussi précaire. Là, je vais à Je n'admets plus gauche. que le soin de mes patients en pâtisse. Considérez-vous comme formellement averti. Et pour info, c'est pas moi qui ai un problème. Coleman terminé. Ça va, mais je suis pas convaincue d'arriver à débloquer cet accès-là. Je sais pas pourquoi, mais je pense que ça va être compliqué. J'ai dû louper un truc. Ça revient au même, hein, de toute façon, même si on bloque les portes. Là, je me suis bloqué les deux portes, du coup je vais pas pouvoir passer, hein, si je vais essayer d'aller choper celui-ci, voir ce qu'il nous dit. Ah, je suis sûre que c'est le truc, les tunnels là, que j'ai bleu, comment dire, que j'ai oublié de passer. Alors, attends. On va faire juste la salle. Assez actif. On peut pas sortir par là. Ah si, on peut sortir. Mais on va être bloqué à droite.
Si je lui tire dessus, ça va mieux marcher. Ouais, ok, je me suis un peu énervée, j'avoue. Je ne sais pas s'il est retourné dans un tunnel ou pas. Il va peut-être pas me voir si je suis là. Pourquoi? Est-ce que vous voyez le marteau en face sur la porte qui se déplace? C'est un bug d'affichage. Alors, merde. Oups. Je re-regarde. Avez-vous une idée, vous, dans le chat? Est-ce que vous arrivez à éventuellement peut-être savoir qu'est-ce que j'aurais loupé? Trouver la carte d'accès, ça en a fait. 1702, ça c'est le code de la porte. Bon, on a un marteau. Ah, il est là. Bonjour. Bonjour, enchanté. Est-ce que vous pourriez casser cette porte, s'il vous plaît? Ah, mais c'était mon... Non, c'était pas mon arme. Elle y ressemble. Elle devait être buggée. Alors. Je pensais qu'il y avait pop dans la pièce. On est où là? Ok, ouais, on est retourné là. C'est pas là que je voulais aller. Je voulais aller J'ai peut-être loupé un truc par ici, je suis pas trop.
Dommage, ils n'ont pas laissé de place. On va aller refaire un tour. Pardon, la chaussure, excusez-moi. Je voulais aller à droite. Attends, mais là, je fous le dawa dès que j'arrive à un truc. Mais oh! Je rentre pas. Ah, j'arrive à rentrer. Du coup, c'est encore à droite. On y va doucement, mais sûrement. C'est possédé ou quoi? Je me suis remis du mauvais côté, du coup droite. Donc. J'ai dû louper quelque chose ici. Bon, en tout cas.
de trappe ou... Ok, là, du coup là on est juste là. La porte s'il te plaît. Et les tunnels en sous-sol, ils sont où? Les tunnels en sous-sol, j'en ai utilisé, je sais plus, j'en avais utilisé quelques-uns. Ils sont pas notés sur le... Enfin, si là il y a une trappe, mais. J'aimerais bien retourner en bas. Ça c'est toujours aussi bugué, c'est marqué utiliser mais on peut rien faire. Le retoucheur, est-ce que c'est là qu'on a... Merde. Mauvaise touche. Non, c'est pas là où on a accès au conduit. Merde, non, c'est pas ça que je voulais faire.
pensais pas qu'il pouvait se choper dans les tunnels. Horrible. Ah bah non, mais je vais avoir peur de rentrer dans un tunnel maintenant. Bon. Ah, je pensais. Bah, je sais pas, on n'avait jamais eu d'alien dans les tunnels. Il avait attrapé l'autre fois juste sur le bord. Hein. Mais je m'y attendais pas du tout. Bah, du coup, je vais retourner à gauche. J'essaye de voir si les conduits. Mais je crois que j'avais déjà vérifié les conduits. Sinon, je sais pas comment on fait. Faut reset. J'ai tellement sauvegardé qu'il y a de quoi reset. Bah on peut aller tout droit. Ça peut le faire. J'essaie de voir, mais je vois pas de vanne pour établir le courant. Celle-là de droite, je crois. Allez, vas-y, active les conduits. Là. Ok, il en manque. Du coup, on enlève ça. Du coup, là, on a activé les conduits. Ça va pas lui plaire parce qu'il va pas pouvoir bien respirer. Du coup, logiquement, gauche-gauche parce qu'à droite, ça doit être bloqué. Ah ouais, ils sont là, les conduits. Mais du coup, c'est pareil, on va se faire... non? On va pas se faire croquer. Allumons la lampe torche. Un truc qui s'est ouvert. Je crois que c'est une porte. Mais du coup, il peut être là, non? Je sais pas. On peut pas ouvrir ça. Il y a rien au plafond. Alors, à cet endroit-là, on a comment dire, une ouverture. Ça, on peut pas appuyer. Là, de ce côté-là, il n'y a rien. Et là, il y a un conduit. Donc, il y a deux entrées. On va sortir par celui-là déjà, on va vérifier. Oh, ça va être le même, en gros, ça va être celui d'à côté, non? On est où là? On va faire le test, mais à mon avis, ça va être celui qui est juste à côté. Ouais, il est juste à côté. Attends, c'est pas celui-là? Non. Là. Ah non, c'est pas celui qui est juste à côté. Celui-ci, à quoi? Ah, celui-ci, c'est le même. Alors, attends.
Ah, du coup, là, il y en a un autre. Ah ouais, mais il est tout petit, celui-ci. Ouais, je pense qu'on les a tous faits, du coup. Il me semblait bien qu'il y en avait un deuxième. Lampe torche. Donc, il n'y a rien au plafond. Pas d'échelle. Celui-là, là, ouais. Ah, c'est dommage parce que l'autre, il a pas d'échelle là. Juste au-dessus de nous. Je pense que ça va être un peu compliqué. Là, ils disent qu'il est derrière. Allez, on sort. Du coup, ça nous fait pop couloir. Ok. Et du coup. Ok, celui-ci est remis dans l'autre. Ok, je veux sortir. J'essaye de voir s'il n'y en a pas un. S'il n'y en a pas un qu'on aurait loupé qui serait. Crois qu'il m'avait pas vu. Putain, l'enfoiré. Alors. Ouais, franchement, c'est pas abusé ça quand même. J'arrive pas à mettre la map. Ah oui, j'aurais dû peut-être sauvegarder un peu plus proche. Du coup, là, on va repartir de l'autre côté. Je vais aller réactiver les conduits du coup. Attends, on active les conduits. Si tu le veux bien. Sors-nous de là. Donc. Il y avait, hein. Lumière, lumière. Bon, là du coup, je peux aller jusqu'au fond. Ouais, le tunnel qui fait.
un tour au cas où j'aurais oublié quelque chose ici, mais... Il va falloir, vous allez voir qu'il va falloir que je me tape des heures de vidéo d'ici mercredi pour qu'on arrive à se débloquer. Il va bien falloir de toute façon, on va pas passer des lives bloqués sans savoir où aller. Mais j'avoue que c'est assez frustrant. On n'a pas le niveau d'habilitation, c'est ça qui est chiant, ça bloque. Parce qu'on aurait la porte en fait, on aurait déjà été chercher l'objet là qu'il faut à l'intérieur, mais on n'a pas. Pareil pour le courant, j'ai pas réussi à remettre le courant. J'arrive pas à voir où est-ce qu'on pourrait remettre le courant. On va éviter d'être dans le noir. Je veux voir la mort en face. Genre la mort qui arrive d'ici. J'ai l'impression qu'il est dans les tunnels, ça veut. Ok. On n'a pas vu de tunnel au sol, hein. Là c'est normal. Celui-ci, celui-ci, l'autre en face. Attends, il y en a encore un. On va y arriver, on va y arriver. J'aurais bien aimé savoir le système d'arrosage là. J'aimerais bien savoir à quoi ça sert. C'est quoi que je peux... avoir le temps. Ah, du coup ça arrose. Mais ça fait rien de spécial. Ok, c'est déjà fini.
pense tout ce qui est alarme, arrosage, ça doit vraiment être pour faire diversion. Je pense pas que. J'ai vraiment des doutes sur le fait qu'ils entendent quand tu parles au micro. Parce que là. Je vais plus parler, je vais vous faire en muet. Hein. Oups. Ok, il est monté dans un tunnel. Attendez, je regarde un truc. Petite pause. C'est vrai, vraiment frustrant de pas trouver. Hein. Surtout que c'est tellement immense au final. Ah putain. Je suis à vous, bientôt bientôt. J'attends de voir un truc, mais je pense que c'est une erreur. Mais c'est ça, 1702. Je me dis, tiens, il y a une porte que j'ai pas vue avec un code qui est différent, mais non, c'était une erreur.
Une erreur de touche. Je pense qu'on va passer à Phasmo parce que là, il faut que je regarde encore 1 heure de vidéo là, l'histoire de trouver le moment. Si c'est pas, j'espère que c'est sur cette map là et que c'est pas sur l'autre parce que sinon, je sais pas trop comment régler cette affaire. Enlève-nous la carte. On va juste aller vérifier. On va sortir à droite. Il est déjà là. J'ai rien oublié dans les... J'ai des hallucinations. J'ai des hallucinations. J'ai vu que là il y avait des conduits. Ah bah non, du coup, j'ai eu un faux espoir, je me suis dit tiens. Je me suis dit peut-être qu'on en a oublié un quelque part par là. Là c'est quelle pièce? Tiens, et celle-ci. J'aurais juste allé là à gauche, c'est vraiment frustrant. On avait croisé un synthétique, au final on l'a pas revu, je crois pas. Ça, c'était le code. Argument invalide. Ok. Ouais, bah y a pas vraiment. Vraiment pénible. Tu me mangeras pas, tu me mangeras pas, non. Ah, au secours!
j'abdique déjà 1h30 là. Enfin non, 1 heure du coup. Non, ouais, je trouve pas là, j'ai pas trouvé. Après, je sais que ouais, il y a les tunnels, mais charger la sauvegarde de la mission, ça changera rien, parce que c'est pas là où j'ai bugué, je pense pas. Il faut que je regarde, je vais potasser ça d'ici mercredi là. Pas trop le choix, hein. J'aimerais bien le finir, c'est intéressant, mais en plus je me suis spoil avec les vidéos, du coup. Ah, je suis obligée de remettre avant de quitter. Trouver le kit d'urgence. Bah oui, je sais. 22h32. Ah, c'est vraiment dommage, dommage, dommage. J'aurais eu le temps de regarder. J'aurais été mater les vidéos, mais bon. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas plus d'aide quand t'es bloqué. Surtout si j'ai loupé un truc sur le niveau d'avant. Ça fait chier parce que là, actuellement, on peut pas y retourner. Actuellement, on peut pas y retourner. Mais je vous promets, je vais regarder des vidéos. Je vais regarder ça mercredi. Et puis bah, on va trouver la solution, hein. À partir de l'épisode 7, bah comme moi en fait au final. Bon, on va passer sur Phasmo. Alors, j'ai lancé le jeu, mais j'ai pas changé sur OBS. Alors, il faut absolument. On peut peut-être faire une pause de 5 minutes, ou alors je papote avec vous vite fait. Mais il faut que je fasse mes 4 Rumble parce que j'ai un choix du chef. Et déjà l'autre fois j'étais en stream et du coup bah j'ai été plongée dans le jeu et je ne l'ai pas fait. Donc veuillez m'excuser pour cette petite pause, je suis là, je vous lis, on papote si vous voulez sur Phasmo. J'en ai pour 5 minutes, il y aura juste deux quêtes, deux séries de quêtes. Je lance Rumble, je le lance pas en live parce que du coup ça va pas avec le thème de ce soir, mais je fais ça. Racontez-moi ce que vous avez prévu pour cette semaine. On fait une petite game de Warcraft Rumble. En espérant que j'ai un bon choix du chef. Allez. C'est parti, 22h35. Ça vous laisse le temps d'aller vous chercher un petit café, un truc à boire, des bonbons. Moi, je bois pas de café, mais imaginez qu'on est en pause. J'aurais pu vous mettre une pause de 10 minutes. Vous voulez que je vous lance une petite pub? C'est toujours intéressant les pubs. Je sais pas si là il y en a actuellement. Allez, je vous lance une petite pub. Restez en ligne, je reviens tout de suite.
Logiquement, pour ceux qui ont eu la pub, on est de retour. Je suis de retour. Vais-je réussir ma première quête? Je vous annonce, c'est mal parti. Ça promet. Non, mais sinon, si j'y arrive pas là à faire rapidement, j'avais une quête bleue donc c'était rapide, mais j'ai choisi le mauvais. J'ai choisi la mauvaise quête. Non, ça va, je rattrape le truc. Mais bon. Dans 6 minutes, la prochaine pub, j'aurai fini d'ici là. J'espère bien quand même. Ah merde, je me suis tapé des poulets. Plutôt que je regarde l'écran. Bon, c'est bon, vous êtes parés? Est-ce que vous êtes paré? Je vais me mettre. Alors, c'est bête, hein, mais je vais me mettre un réveil. Parce que je me connais, hein, je vais être dans Phasmo, je vais dire allez, une dernière, je vais partir. On part pas sur de l'aléatoire aujourd'hui, hein. C'est mort. C'est mort, c'est mort. Allez, déjà, hop, regardez ça. On va mettre un petit réveil. Il faut savoir être prévoyant. Bon, j'ai mis un réveil. Comme ça, dès que ça sonne, je sais qu'on est sur la fin. Alors, attendez. Hop là. Du coup, nous allons partir pour faire un peu de level up, le donjon de la semaine. Le mode défi, c'est quoi cette semaine? Survie du plus apte. Vous n'avez pas de pilule, pas de santé mentale, ni de preuves. Avec quoi enquêter? Ce ne sera pas facile. Edwige. Edwige. Oui, merci. Edgefield. Edwige, Edgefield, c'est presque pareil. Ouais, bah ça va être une chasse basique, je pense. On va peut-être pas commencer. On va faire une petite game. Il est quelle heure? 20. Ouais, non, on va faire défi. De toute façon, on va enchaîner si on voit pas. Là, ça va être juste de la reconnaissance auditive, je pense. Ou visuelle, s'il y a l'obaquet ou le fantôme. On a quoi, un encens quand même? On a un de santé mentale. J'ai osé aller allumer le courant. J'ai vu le mur, ah non, c'était pas tant du tout. Je sais pas trop, j'ai mis fantôme, mais après c'est... Ah ouais, t'as y est. Après il avançait vite, mais je sais pas, il y a eu un truc au clignotement, je me suis dit peut-être que... Petite queue. Allez, c'est pas grave, on y retourne. J'aurais pu tenter le tailler, c'est vrai. Après, à quatre pattes, je sais pas, j'ai toujours l'impression que fait... Je trouve que c'est différent. Même si au final, il faut juste focus sur le son. Mais... J'ai pas pris la lampe. Je trouve ça un peu dur.
Je sais pas du coup. Allez, dites-moi, j'en coche un. Je sais pas du tout, c'était basique. Après, j'ai voulu tester le clignotement, mais du coup, bah. Il a des pop. On va rester sur ceux du milieu. J'avais pas vu que c'était là. Tu voulais qu'on le fasse ensemble, le défi de la semaine? Après sinon on peut le refaire mercredi. Hein. C'est comme tu veux. Jumeaux. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Ah, il était lent, j'ai pas fait gaffe. J'étais pas très concentrée. Ça devait être ouais du coup le jumeau lent et le jumeau rapide. Faudrait que je fasse une chasse cachée, genre s'il n'y a rien de banal, hein. Enfin s'il n'y a rien de fou, et une cache, une chasse avec l'encens peut-être pour voir. Allez, on va sur. Bon, en tout cas, ça va, c'est une cachette. Yes, pas de soucis, hello. Il prend son temps déjà. Au début j'aurais dit mining mais du coup j'ai pas entendu d'où il a pop par contre. Ouais au départ j'aurais dit mining du coup mais... Ah bah il y a la lumière je suis con, ok. Moi qui adore jouer dans le noir j'avais même pas vérifié qu'il y avait la lumière. Je vais essayer de réentendre ses pas. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Nous allons t'avoir, petit défi, ne t'inquiète pas.
Ah, au départ, sur la première montée ou descente d'escalier, je sais pas trop. Je voudrais être sûr que la C'était lumière soit peut-être qu'il passée était à si bien que l'étage, du l'affaire coup. pour pouvoir Parce être qu'on passée à n'entendait l'étage. pas ses pas. Et après, Je sur dois la vous deuxième laisser, fois, la mais porte du de coup, la la porte deuxième de fois, ça devait l'arrière être la cave, du coup. C'est peut-être pour ça que ça m'a un peu perturbé. Je me suis dit, c'est bizarre, la première fois, on n'a pas entendu ses pas et la deuxième fois, si. Je fais mission courageuse. Je fais quoi? Je me cache dans un placard, ta Zelda. Je fais le défi de la semaine. Je me cache, j'écoute voir s'il est rapide déjà. Là, on l'a bien entendu, hein. Ah merde. Pff, il m'a fait peur. Andouille. Non, non, mais je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, t'inquiète pas. Allez, au revoir. Chouchou. J'aime bien la lampe, elle continue de clignoter alors qu'on n'est plus. Il n'y a pas un bug là. Et c'est la discothèque. Allez, on va s'endosser. Bon, je pense pas m'être trompée, mais. Il y a toujours un. On sait jamais, on peut Welcome jamais être back. sûr à Like to 100%. prepare some jobs for you. Ouais, le micro débloqué, mais bon, ça m'intéresse pas trop, mais je l'achèterai quand même. Allez, c'est We've arrived. parti. Check the equipment and get set up before investigating. Une chasse cachée, une chasse décachée. Ça se dit, hein? Allez, merci. Ça, c'est juste pour me faire un repère si jamais j'ai pas ma lampe. Si jamais je me perds dans la maison. Pas au taquet taquet ce soir. Hein. Il est trop tôt, il est que 22h50. Il dit oh les gars, là, nous, les jeux d'horreur, c'est plus à 1h ou 2h du matin. Allez, on se motive. Juste devant moi. Elle est à l'étage, je crois. Oh, t'es relou. Oh non, t'exagères. Bon, c'est pas le jean. On peut décocher jean. C'est bon, il en reste juste 24. Est-ce que vous avez des idées? Il avait l'air d'être assez lent. Enfin, normal quoi, en vitesse.
T'exagères quand même, hein. Franchement. Il exagère, il exagère. Oh, c'est une petite fille? Ah non. J'avais mis là sur celui-ci et il a fait sauter les plombs. Au baquet, allez, il a pas fait son jugement de forme. Traître, traîtrise. Traîtrise, le petit là. Pas eu le temps. Au moins on s'est mis un peu de lumière, mais je la vois pas. Je la vois pas. Je la vois pas. Je la vois pas. Ça va être un démon ou une connerie dans le genre, non? Banshee. Ah ouais. Mais elle fait sa maline. Elle fait sa maline. Et les rampants, j'aime pas. C'est dur à suivre. Parce qu'il faut. Enfin, je sais pas, il faut vraiment. En fait, tu les perds vite de vue derrière un canapé ou derrière une table. C'est plutôt perturbant. Bon, laissez-moi le temps d'allumer ma bougie et de mettre d'allumer la lumière. Ah! Il avance super vite. Enfin, en tout cas, il avance vite. Au départ, j'ai cru que c'était peut-être le Déogène, mais. Il avance vite. Est-ce que c'est encore un taillé ou un moroï? J'ai pas vu de différence, donc pour moi, c'est pas le en tout. Tu vois, je vais mettre taillé, ça va pas être ça. Tout à l'heure, je l'ai pas mis. C'est pas le Déogène parce qu'on s'est pas fait tuer. Je redis entre les deux. Allez, on va tenter. Comme ça, plus vite on lance, plus vite. Allez, forcément c'était un des deux. Tant pis, tant pis. Il tricotait là avec ses petites pattes, mais. Du coup, on aura eu taillé et moroï les deux. On a eu taillé, moroï, revenant. Il m'a fait trop peur. Genre, il m'a suivi, je croyais trop que c'était une chasse.
s'en fout, lui. Allez, touche les portes. Il lance des objets. Ça va être un polter. C'était quoi ça? C'était un event? Oh, il est à fond, ça va être un Oni. C'était une porte ça? Trop bizarre. Trop bizarre. S'ambiance tout seul. Il sait que je suis dans la pièce, je pense. Trouvé trop chelou. Eh putain. Vas-y. Trop bizarre. Allez, voilà, il a coupé le courant ou il a recoupé le truc. Trop bizarre. Du coup, il y a une porte qui a claqué, mais je sais pas. Il y a eu l'event après. Je sais pas si c'était pendant l'event ou juste avant. Après, il a fait beaucoup d'interactions. Et ces petits cris, j'ai un moment je croyais trop qu'il démarrait des chasses et c'était juste des petits cris de peur. J'avais jamais eu ça comme ça. Ouais, il a coupé le courant, le disjoncteur, l'interrupteur il est vers le haut. Je sais pas du tout. On va tenter une chasse et puis on mettra. Franchement, j'aurais dit soit Oni, soit Yore. Il y a eu beaucoup d'interactions. L'Oni il aime bien, mais bon, des fois il y en a aussi qui interagissent beaucoup. On va voir, on va essayer de voir si. S'il claque une porte. Verdict. Cauchemar. C'était après il... Ah oui, du coup il a fait le pouvoir. Il a peut-être fait son pouvoir en même temps que moi. À un moment donné, ça aurait pu mettre le. On va dire. La puce à l'oreille. Il a fait son pouvoir quand j'ai allumé. Il a éteint. Ouais, c'est ça. Quand j'ai allumé, il a éteint direct. Mais bon. Il était motivé. Ça m'est déjà arrivé que l'interrupteur s'éteigne direct après que je l'ai allumé et qu'au final c'était pas un cauchemar. Alright, we're here. Take a look at the equipment and prepare accordingly before starting the investigation. Allez, on va essayer de valider avant 30, avant que le réveil sonne. Il y a un
touche des portes. Alors, dans le chat, je veux le nom de cette entité tout de suite. Quel est-il? Quel est-il? Si quelqu'un a entendu, bien sûr. Après, je valide la game. Personne n'a entendu. C'est petit pas. Allez, c'était le revenant logiquement. Dans l'idée, normalement, c'est notre deuxième revenant. Paulette? C'était Paulette! C'est un revenant. Paulette le revenant. Allez, est-ce que vous pensez qu'on va finir le défi sur 3 revenants pour moi? On en est déjà à 2. Envie de dire mailing, mais on va voir. Si je sens pas la deuxième chasse, ça sera. Enfin, j'ai pas eu de. Ah non, j'ai pas senti de. J'ai pas entendu d'accélération. Allez, sous celle-ci. Thank you.
Bon, il est à l'étage pour l'instant, ça me laisse un peu de temps. Un doute sur deux lancers pour le Volter. Pendant la première chasse, il avait lancé assez, enfin, je sais pas comment, ouais, assez fort en fait les deux, les trois tubes c'est comment là, les trucs pour isoler, pour faire les joints. Et après, ouais, après il y a eu deux objets qu'il a bien lancé quand il est venu. Bon, je suis morte, mais en soi, l'objectif est atteint. Et niveau 59. Alors, on a... les briquets niveau 3. Et on a ça, bon, je vais faire... hop, nickel. Et prochain truc du coup c'est les dots. Ah c'est cool ça, niveau 60. Et après la caméra. Les deux prochains niveaux c'est ça. Merci Lou. Bah, je vais faire une petite game pour up 60. On va aller à Willow. Un peu d'équipement. J'ai pas de sel. Appareil photo. Des popos, il me manque. Deux popos, trois sels. Caméra, une seule, c'est bon. Et du coup, il me faut du sel. Trois sels et deux popos ici. Allez, petite game pour finir le live. Et après, je vais à mes quêtes Trumbull. Mais j'espère qu'on va pas être sur un truc trop chiant. No report this time. Be careful. You're going blind. Alors on a quoi? Eva. Eva Lancaster. Empêcher d'attaquer avec un crucifix, éteindre une lumière à feu et échapper à une chasse. Le printemps il neige. Ah, il est motivé. Là peut-être bien, non? Ouais. Ah, cave. Motivé. Allez, c'est un obaqué. C'est un obaqué. Obaqué. Pourquoi j'avais le souffle en bas? Oh.
Bon, s'il est de ce côté-là, il n'y a pas l'air de... y a pas l'air d'y avoir d'orbe. Il fait plus rien, ça y est, on est rentré. Il est bloqué. J'irais bien vérifier quand même en bas parce qu'en bas j'avais le souffle. C'est bizarre. On va aller vérifier à la cave. À moins qu'il n'y ait pas le chauffage dans la maison et que. Un bug. Allez, du gribouillage, t'as pas honte. Donnez-nous un signe. Êtes-vous là? Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Êtes-vous jeune? Êtes-vous vieux? Donnez-nous un signe. Quel âge avez-vous? Êtes-vous là? Êtes-vous jeune? Êtes-vous jeune? Êtes-vous jeune? Non, tu la veux pas? Êtes-vous vieux? Et j'ai mal, je tousse. Ça te dérange? Allô, allô, allô? Notre ami n'est pas motivé. J'avais dit au paquet, mais ça m'étonnerait du coup. Logiquement, c'est pas l'ombre vu qu'on était dedans. Qu'est-ce qu'on peut enlever d'autre? On peut faire le test du polter, le test du cauchemar, on verra si on se fait avoir ou pas.
On n'a pas lui. On va mettre du sel. Éteindre une bougie. On a quoi d'autre aussi? C'est lequel qui parle à la spirite? Parce qu'il y a la banshee, mais j'ai un doute là. Je mets mon sel pour les photos, on va dire. Merde. Du coup. Esprit ou Myling? À la chasse, ça va se voir si c'est Myling. Et Esprit, il faudrait qu'il se TP sur moi pour avoir un EMF2. Ça, on peut le voir avec le ça. Et appareil photo. Je sais pas si ça va chasser bientôt. Je le tente, j'ai un doute, mais j'ai un doute sur le timing. Éteins la bougie, que je fasse une photo. Ça et il faut qu'il chasse avec un crucifix. On m'échappe à une chasse. On peut prendre ça.
Moi, c'était très court, ça. Lequel? Celui-là? Là, t'es devant le capteur. Ok. C'était trop subtil. Nickel. Bon. Logiquement, il n'est pas passé, donc si... chasser de là. Du coup, elle s'est TP là, non? Cachette là. Il m'a pas vu, je suis cachée. On va attendre que la santé mentale descende et que la chasse se lance. Mais je sais pas si c'est possible de se TP pour un event. Hein. Parce que pour ça j'aurais dû peut-être esprit du coup. Parce qu'il a pas passé le... Avant de faire son event, il a pas passé le détecteur de mouvement. Allez, mon réveil il va sonner. Je vais commencer à lancer Rumble. C'est la game qui va durer une éternité.
c'est long là. Ça peut pas être une ombre. Hein. Pensez qu'on est en train de se faire brain par une ombre. Il y a eu des events, je sais pas, franchement ça me... Crucifix. Alors là, je sais pas, il y a des chasses vraiment cheloues ce soir. J'ai pas compris, hein. Je sais pas ce que rien n'a entendu. Je sais pas. Je vais tenter, tenter la chasse. On verra bien. Et si je meurs, bah on meurt, on arrêtera là-dessus. Devant le faisceau.
Allez. On tente, on verra bien. Hein. On a réussi les objectifs. Moi, j'ai pas trouvé le. J'ai pas été chercher le sel. Le sel. L'os. Attendez. Laisse ta musique, hein, je voudrais pas te déranger. Allez, j'y crois pas du tout. Je franchement je suis pas convaincue du tout sur les trois. On doit empocher un et j'ai pas trop le temps de poursuivre. Allez, j'avais un doute quand même, hein. J'étais vraiment pas sûre. Je trouvais qu'on l'entendait pas, mais en même temps. Du fond du garage à la au couloir ou à la chambre, je trouvais que ça faisait loin. Mais du coup ouais c'était ça, on n'entendait pas. Ah GG, on a validé l'objectif, j'ai eu mon dot. Nickel ça. Hop là. Allez affaire conclue, on finit là-dessus du coup. Je vais bosser sur le déblocage d'Alien. J'espère que j'ai pas loupé un truc et que je peux au pire retourner en arrière. J'espère, j'espère. Et bah, si c'est pas le cas, je recommencerai pas du début, hein, je vous le dis honnêtement, je pense pas. Mais je vais regarder des vidéos, je vais essayer de voir où est-ce que. Enfin, qu'est-ce que j'ai oublié. Et voir si je peux y avoir accès de nouveau. Du coup on se retrouve mercredi. Mercredi on fait ça, on poursuit en espérant que je trouve la solution d'Alien et puis sinon on fera du Phasmo ou autre chose, on verra le moment venu. Merci à tous d'être venus sur le live ce soir. N'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux et puis rejoindre le Discord. Le Discord, je pense que Estat l'a mis à jour. Voilà. Je vérifie. Invalide. Continuer vers Discord. Non, ça marche toujours pas. Je sais pas. Peut-être que c'est juste parce que moi j'ai déjà l'accès, ça marche pas. Mais bon, au pire, le lien sur la page de bio, la page de présentation, lui je crois qu'il fonctionne. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord et puis à venir jouer avec nos joueurs. Et du coup on se retrouve mercredi. Des bisous, à plus tard.